imaginez le tableau. Un caddie de supermarché rafle votre voiture. Vous la conduisez chez le carrossier. Seulement, ce garage est une couverture pour un baron de la drogue appelé Tombstone. Et avec Spider-Man, il décide de se chamailler à ce moment précis. Racontez-nous la suite. Ben, je rentre, et là, je vois Spider-Man en train de combattre ce gros balèze, avec des dents comme un requin. Il doit s'agir d'un certain Lonnie Lincoln, alias Tombstone. Est-ce qu'on aurait dit qu'il se battait pour de la marchandise? J'ai eu vent d'une nouvelle drogue qui transforme ce... qui en prenne en zombie. Je sais pas pourquoi il se battait. Je me suis barré, moi, merde. Oh là là, je comprends que vous soyez bouleversé. Mais tâchez de surveiller votre langage. C'est un programme familial, ici. Ouais, désolé. Enfin bref, j'ai bien fait de me tirer sur ce coup-là. Parce que les flics et les pompiers ont débarqué en moins de deux. Les véritables héros, quel soulagement. Je crois qu'on peut parler de Happy End. Je croyais que c'était un programme familial. J'arrête de raccrocher ce téléphone. Spider-Man. Super louche par ici. C'est mauvais signe. Je vais aller voir ce qui se passe. On dirait que ces prisonniers ont des otages. Va falloir être... Bataille de nourriture ! Eh ben oui, on se bat pour de la nourriture. Silver Sam achète ses gages chez un grossiste. Il est pas si coriace. T'es plus malin, ça m'inquiéterait. Bon, je suis un peu inquiet quand même. Oui. Non. Les
les autres villes peuvent garder leur héros. New York à Spider-Man, et Spider-Man à New York. Laisse pas Jameson t'énerver, c'est l'équivalent humain des commentaires sur Internet. Allez, vas-y, fais un truc génial. Vous pouvez faire coucou à... Équipe sur place, la chef nous demande où ça en est dans le Theater District. À vous. Poste de contrôle sécurisé, zone de tir établie. Mais je peux vous prouver qui je suis en vous posant les fesses. Définitive. Spider-Man avait un bras droit. Black Cat, une jeune femme plantureuse, tout en cuir. Pas le genre qu'on présente à papa et maman, hein, pas vrai? Finalement, il s'est avéré que c'était une voleuse. Quelle surprise, hein? Eh bien, il paraît qu'elle est de retour. Permettez-moi de faire une prédiction. Spider-Man va lui donner une deuxième chance. Pourquoi? Parce qu'il est naïf? Parce qu'il est lui-même un voleur? Ou peut-être parce qu'il pense avec son... lance-toile. Spider-Man, je sais que tu m'écoutes. Alors je vais te prévenir. Comme on dit, on n'empêche pas un chat d'aboyer. Et... quoi? Mon stagiaire me crie encore dans les oreilles, pardon. C'est un chien? Je crois que c'est un chat. Ah, puis on s'en fiche, hein. La métaphore fonctionne quand même, non? Des chiens, des chats. Fichez-moi le temps, j'arrête. Voilà un pigeon! Il prend la fuite!
peut se battre ou... Écoutez ça, on peut se faire un barbecue. Ça se rafraîchit. Je devrais entrer. Allez, trêve de galéjade. MJ, je suis sur le deuxième site. C'est dingue. Les démons se baladent avec leurs masques comme si de rien n'était. Je me demande comment ils se reconnaissent entre eux. Je vais essayer de voir ce qu'ils cachent pendant que tu joues les empêcheurs de tourner en rond. D'équipe ? Ok, cool, parce que vos collègues là, pas reluisants. Peter, cet endroit est censé être un atelier de fabrication de meubles sur mesure. Ça ressemble plus à un repère de trafiquants d'armes à mon avis. Et au risque de te surprendre, ils n'ont rien de très artisanal. Nos hipsters assassins vont être déçus. De vous voir débarquer, c'est que... Ah bah non, attendez. Eh si, 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 ça me gonfle. À plat, on tourne un café. Bourgogne !
MJ, tu peux appeler la police. Le site est sécurisé. Bien joué. Chaque fois qu'on arrive à retirer des armes de la circulation, c'est une victoire. Belle composition, sans vouloir me vanter. Se rendre compte que la secte, ou le gang, ou l'organisation terroriste des démons, on ne sait même plus, est hors de contrôle. Nous sommes en ligne avec un survivant de l'une de leurs attaques. Nous vous écoutons. Allez-y. J'étais chez moi dans mon immeuble, quand on nous a averti que les démons étaient sur le toit, en train de poser des bombes. On aurait dû évacuer, mais apparemment, il y avait aussi des snipers prêts à nous abattre si on essayait. Dans quel monde vit-on ? Heureusement, la police et les démineurs ont arrangé la situation. Et Spider-Man, il... Raccrochez, j'arrête. Désolé, il est difficile de se comprendre quand tout le monde parle en même temps. De toute évidence, cette personne est traumatisée par cette expérience terrifiante. D'ailleurs, vous trouverez des liens pour faire face au stress post-traumatique sur notre site. Encore un service offert par J. Jonah Jameson. Yeah.
été tellement plus simple que Sam travaille avec moi, au lieu d'essayer de me tuer. De sable. Tenez-nous au courant de la situation à David's Shelf. Poste d'observation ouvert. On guette Spider-Man. Je dois démanteler cet endroit. Essayons de le faire discrètement pour éviter les missiles. Oh, une fête pour moi? Avec des projecteurs et tout? Espérons que ça ralentisse un peu sable. Mes amis, vous avez entendu parler de l'évasion de l'île de Riker dans laquelle Spider-Man est impliqué. Mais savez-vous où se dirigent ces fugitifs? Vers votre quartier! Notre prochain auditeur y assistait en personne! Racontez-nous! Je rentrais de mes courses quand un groupe de types en uniforme de détenus est sorti de nulle part. On aurait dit une meute de loups. Ils volaient, ils frappaient, ils pillaient. Heureusement pour nous, Spider-Man les a neutralisés. Oui, enfin, vous savez comment ça se passe entre criminels. Capitaine, je suis sur un chantier de fisc. Et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Ils croient que les chefs n'ont rien géré depuis sa cellule. Ils le connaissent vraiment mal. Ils oublient beaucoup sur lui sur Terre. Ils croyaient qu'il était pote avec le maire. Ils ont travaillé ensemble, mais le boss lui a jamais fait confiance. Il faut croire qu'il avait raison. Si j'en crois les rumeurs, Osborne regrettera bientôt d'avoir oublié qu'ils étaient amis. Les gars, Spider-Man pourrait débarquer. Il commence à me souffler, celui-là. Ça.
Y'en a d'autres? Ah, je regrette, mais l'offre avec un donut gratuit vient d'expirer. Calmez-vous, la période des soldes, c'est pas avant début janvier. Attention. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciels. Attendez, je vais deviner. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. M'en occupe. Ça suffit. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son câlin. Je vous préviens, je mets mes toiles où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Voilà un pigeon! Reste là! Je te ferai pas de mal! Non, parce que y a le bon et le mauvais chasseur! J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Inquiétude au sujet de la brutalité de Sable International. Notre prochain auditeur a pu les observer en personne. Racontez-nous. Bah, on était plusieurs à manifester contre Sable. On défendait nos droits, comme vous le dites toujours. Tout d'un coup, ils se sont mis à frapper les gens et à nous arrêter sans raison. C'est le risque quand on donne trop de pouvoir à un groupe. L'abus de pouvoir.
Sachez que si vous vous opposez à eux, vous en subirez les conséquences. À vous de voir si c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Pour moi, il ne fait aucun doute que oui. Ce qui est dingue, c'est que c'est Spider-Man qui nous a libérés. Oui, enfin, c'est ce qui se passe quand les figures d'autorité se mettent à enfreindre la loi. Par comparaison, les autres criminels n'ont plus l'air si terribles. Merci d'avoir appelé, en tout cas. Mais nous n'avons plus le temps. Les lâches qui s'en prennent aux gens comme ça. Allez-y, frappez-moi! Attention, je rends les coups. Vous assurez, tu sais, j'adore étaler des petites frappes. Merci! Salut Pete. Cette station contrôle des puces GPS déposées sur les oiseaux et d'autres animaux. Elle collecte des données sur l'environnement, comme le souhaitait ma mère. Et elle améliore la technologie GPS d'Oscorp, comme le voulait mon père. Donc, cette station ne risque rien. En fait, je suis désolé, j'aurais dû te dire avant de ne pas t'en faire pour celle-là. Hey, je devrais pouvoir retrouver mon speederbot perdu avec ça. Il coûte trop cher pour que je le laisse traîner n'importe où. Bon, j'ai amplifié le signal de mon autre speederbot. Maintenant, il peut suivre son copain. J'ai perdu le signal du speederbot dans le parc. C'est là qu'il faut que je lâche celui-ci. Tout est normal. Je vais juste promener mon speederbot dans le parc. Comme tout le monde. Bon. Il suit le signal de l'autre speederbot. Voyons un peu où ça nous mènera.
Je me demande si c'est un gosse qui l'a ramené chez lui. C'est bien plus classe que tous les autres jouets. Ouais, j'ai dit à l'IA de tester les petits espaces, donc c'est logique qu'ils soient allés dans un tuyau. Oh non, j'espère qu'il s'est pas fait écraser. Le problème, c'est que personne respecte les passages piétons à New York. On dirait qu'il a fait un bon bout de chemin. De proximité ? Qu'est-ce que... Non mais, c'est une blague ! Si je fais peur à cet oiseau, il va le lâcher et adieu mon Spider-Bot. Ah, ce pigeon est costaud. C'est pas le genre à oublier de travailler ses ailes à la salle de muscu. Enfin, voilà son nid. Hé ! Mais c'est l'autre Spider-Bot ! J'ai trouvé un kleptomane à plumes ! Maintenant que je sais où ils sont, c'est le moment de lancer la mission sauvetage. Il m'a bien rendu service cette fois. J'aimerais pouvoir le remercier. En tout cas, je vais devoir bosser sur ces Spider-Bots avant de pouvoir les renvoyer en balade. Spider-Man, the situation's under control. Ah! Un pigeon! Viens là, petit pigeon! Vous savez, j'ai toujours pensé que Spider-Man avait une araignée au plafond. Et en voilà la preuve. Comme si cette horrible araignée blanche ne suffisait pas, plusieurs personnes m'ont signalé qu'il avait un nouveau costume. Un genre de truc punk rock qui donne envie aux honnêtes gens de s'arracher les yeux avec une cuillère rouillée. J'étais là au tout début du punk et je trouvais déjà ça méprisable. C'est une déclaration de non-respect de l'autorité. Et si Spider-Man veut suivre cette voie... Oh non. Non, je viens de penser à quelque chose de terrifiant. Et si ce n'était pas le Spider-Man que nous connaissons, mais un genre d'imitateur à crête. Et s'il n'y en avait pas qu'un. Oh, Jared, envoyez la pub. Il faut que j'aille m'allonger. Ah, ok. Les évadés Drakkar ont pris le contrôle de toute cette rue. On a reçu des appels de gens qui ont peur de quitter leur domicile. Dites-leur de tenir encore un peu. Le service de ramassage des encombrants est en route. Les dodos.
couche-panier. Prends ça. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Spider-Man. Pas comme il est entré. New York dans toute sa splendeur. Une place qui se libère et tout le monde se jette dessus. Nécessaire. Je suis déjà mort de trouille. Essaye de me toucher. Spider-Man, j'ai parlé à des gens qui se plaignent que des évadés ont essayé de pénétrer dans leurs immeubles. Ouais, pareil. Ils essaient de s'établir quelque part. Ils seront plus faciles à appréhender dans les rues. Et sans otage. Je m'en charge. À plus tard. On va faire une chorale. Vous vous faites et moi je chante par-dessus. Ici, on reçoit pas des renforts ou des numéros, mais juste des personnes, d'accord? Un tir dans la tête et c'est bon! Jake est KO. Faites gaffe.
beaux rêves. Une place qui se libère et tout le monde se jette dessus. Je vais t'éclater. Il a eu Jason. C'est pas nécessaire! Je suis déjà mort de trouille! Spider-Man, j'ai parlé à des gens qui se plaignent que des évadés ont essayé de pénétrer dans leurs immeubles. Ouais, pareil. J'essaie de s'établir quelque part. Ils seront plus faciles à appréhender dans les rues, et sans dommage. Je m'en charge! À plus tard! Je vais le sentir passer! Du monde, trop bien. Bon alors les gars, on va faire une chorale. Vous vous faites clap et moi je chante par dessus. Attention, ici on reçoit pas des renforts ou des numéros, mais juste des personnes, d'accord ? Je crois que j'ai entendu un petit dinosaure.
capitaine. Le quartier a retrouvé son calme. Et aucun des prisonniers ne manque à l'appel. Bien joué. S'ils avaient pris le contrôle d'un immeuble, ils auraient fait de sacrés dégâts. Yuri, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a beaucoup de monde, mais ça travaille pas des masses. En apparence, il cherche juste à rester discret. Je vais creuser la question. Va falloir gagner maintenant. C'est pas déjà ce qu'on fait, là. Je m'y prends pas. Il y a toujours des ressources. Juste qu'on fasse plus attention. Pour moi, c'est le plus important. Je trouve que le chef gère super bien les choses en laissant les concurrents se faire un peu la guerre. Ouais, pour revenir encore plus fort. Hammerhead, Silvermane, Tombstone et tous les autres tarés peuvent écrémer un peu. C'est comme la fois où le boss a dû quitter le pays. Exactement, il a fait lever les accusations, il est revenu et personne s'en est pris à lui. Les gens étaient contents qu'il revienne. Grâce à lui que tout est resté sous contrôle. L'absence, ça renforce les liens. Je vais te faire la peau. Je peux pas te faire. Tu vas crever. Je vais devoir distribuer des billets de retard. J'en ai pas des renforts. Ah oui, c'est vrai. Personne ne m'aime. Spider-Man, d'après mes sources, des armes plutôt exotiques transitent par ce site. Des explosifs, des lance-roquettes, etc. Fisk arrive à récupérer du matériel réservé à l'armée. Il faut tout faire pour que ces armes n'entrent pas en circulation. Thank you.
fort. Vous savez, il y a d'autres manières de soutenir vos camarades. En leur criant bon travail, par exemple. Vous tenez vraiment à rejoindre votre chef en prison.